Isabelle, qui est championne de France, qui est la partenaire d'une championne du monde qui habite par ici, nous a fait l'honneur, on va dire, de se libérer une matinée pour vous montrer comment jouer à la pétanque. Donc déjà, je voudrais que vous la remerciez. Merci. Sachez aussi qu'avant, la pétanque était un loisir et maintenant, la pétanque est un sport. Il y en a beaucoup tout à l'heure qui en ont parlé, qui ont dit qu'ils regardaient les compétitions à la télé sur la chaîne L'Équipe. Sachez que vous regardez les compétitions sur la chaîne L'Équipe, c'est les hommes. Et sachez qu'il y a aussi les femmes. Et dans les femmes, dans les 10 meilleures de France, et bien, il y a Isabelle. D'accord ? Respect. C'est une chanteuse normalement, Zaza. Ah, bien. Moi aussi, moi, s'il vous plaît. Tu connais une chanteuse qui s'appelle Zaza? Donc on est avec Isabelle Calchera qui a eu l'honneur de nous donner un petit peu de son temps pour une activité pétanque avec le Clermont Métropole Football Club en partenariat avec le Mondial des Volcans. Donc Isabelle, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment tu es venue à la pétanque? Eh bien, tout naturellement par mon père et mes frères qui jouaient déjà. Et donc naturellement, depuis l'âge de 6-7 ans, je joue à la pétanque. Qu'est-ce que tu as gagné comme titre? Je suis championne de France 2017 doublette féminin avec Angélique Colombé. Mmh. Et j'étais vice-championne de France doublette mixte en 2015. D'accord. Avec William Dauphin. Donc tu as la chance de jouer avec une championne du monde. Très grande chance de jouer avec elle, oui. Parce qu'elle m'a beaucoup appris en expérience en fait, technique de jeu. D'accord. Est-ce que tu as
Est-ce que c'est compliqué de, maintenant que tu es championne de France, de, d'assumer ce titre, on va dire, parce que de ce que j'ai pu comprendre, c'était peut-être un petit peu difficile à réaliser, tout ça. Bah, en fait, ce qui est difficile, d'abord, il faut avoir le titre, mais une fois que tu as le titre, eh ben, il faut assumer, arriver à jouer aussi bien que quand tu as eu ta victoire. Tu te dois de jouer tout le temps bien, presque. Donc finalement, par contre, je tiens à remercier le Mondial des Volcans, Fabrice Bouch et toi-même, qui m'avaient fait jouer directement. Dès que j'ai eu mon titre, en fait, j'ai joué ici en toute confiance. Ça m'a permis de bien attaquer la saison à venir, en fait. Et quels sont tes objectifs de cette année et pour la suite? Parce que je suppose que quand on est championne de France... Là, j'ai l'opportunité, de par mon titre, de pouvoir jouer... toujours avec des grandes championnes. Donc bientôt, dans la semaine prochaine, je vais à Cannes, au Mondial de Cannes, avec Angélique Colombé et Audrey Bandiera, qui sont toutes les deux championnes d'Europe et championnes du monde. Voilà, le titre m'a donné cette opportunité. J'ai pu jouer aussi avec d'autres championnes du monde et, dans l'Ain cet hiver, où on a remporté un bol d'or. Et puis mon objectif, bien sûr, c'est de reconquérir le maillot au mois de juillet, à Fréjus, avec Angélique. D'accord. Voilà. Je vous remercie pour l'invitation, franchement, adorable, les jeunes de Clermont Métropole, adorables, ils ont tous été attentifs, sérieux et très sympas. D'accord. Franchement, merci. Merci beaucoup.